Est-ce que vous êtes tous à peu près bien installés, ça va? Ni trop chaud, ni trop froid, ni trop serré. D'accord. Bah, c'est un plaisir que de vous voir en ce beau jour ensoleillé. Donc, merci à vous d'avoir pris sur votre temps, d'avoir fait tout le déplacement. Et on va essayer de passer une journée à peu près agréable tous ensemble. Alors, comme vous avez vu sur le programme, je suis censée, je crois qu'ils ont intitulé ça quelque chose comme méditation sur l'amour. Bon. On va essayer d'en faire quelque chose, hein. Donc déjà, première chose, je vais vous demander votre indulgence, hein, parce que vous savez, ces genres de valeurs sûres, on en parle, mais de là à les éprouver, hein, c'est plus compliqué, on va voir après. Et puisque également nous sommes après tout dans le cadre d'une journée portes ouvertes dans un centre bouddhiste, on va donc également poser un peu le décor. Mais bon, c'est juste à titre d'information pour montrer un peu comment ça se passe dans notre tradition. Eh bien, dans notre tradition, justement, la première chose, c'est s'installer bien. Donc, si vous vous sentez pas très bien à l'aise, etc., n'hésitez pas à changer de position parce que si on a mal au genou, mal au dos, etc., ça aide pas après pour faire autre chose. Donc là, d'abord bien s'asseoir. Et puis après, selon nous, dans le bouddhisme, ce qui est extrêmement important en toute activité, quelle que soit l'activité, hein, que ça soit pour faire le ménage, la cuisine, je sais pas moi, travailler, voire méditer, etc., il y aurait la motivation avant et pendant, et puis la dédicace. Pourquoi? Parce que on considère, et après à vous de réfléchir si vous pensez que c'est juste ou pas, que les activités que nous avons, a priori, elles sont neutres la plupart du temps. Aller, venir, manger, respirer, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est neutre. Mais ça prend tout notre temps. Et ce qui va donner une connotation plutôt bonne ou éventuellement moins bonne, bah selon le bouddhisme, ça serait l'état d'esprit dans lequel on ferait ses activités habituelles. Et c'est pour ça qu'on va dire que finalement, c'est toujours l'intention ou la motivation qui va primer. Et là, l'air de rien, ça a beaucoup d'implications parce que quand on commence pas à analyser les choses de cette manière, bon, on vit d'une manière naturelle et normale, et on se rend pas compte, en général, que l'état d'esprit dans lequel on aborde les activités de tous les jours, ça donne une connotation spécifique à tout ce que l'on fait. Or, selon toujours le bouddhisme et vous savez, vous avez peut-être entendu parler de la loi de causalité, la notion de karma, des résultats. Ce que nous ferions à chaque instant, par le corps, la parole et l'esprit, bah, ça serait pas anodin, ça laisserait des traces qui, après, pourraient avoir des résultats, bons, mauvais ou neutres, en fonction de la connotation de ces activités. De là l'intérêt de se mettre dans des états d'esprit plutôt favorables, parce que du coup, tout ce que l'on fait après, quelle que soit la nature de l'activité, ça peut se transformer en quelque chose de vraiment très bon. Inversement, on peut avoir l'impression de faire quelque chose qui est très bien, mais si l'état d'esprit n'y est pas, ben c'est pas si bien que ça. Imaginons que quelqu'un de notre famille ou l'une de nos relations, un voisin par exemple, nous demande un coup de main. On y va, mais alors vraiment en traînant les pieds, hein. Parce qu'on a posé refuser, on trouve que franchement il exagère et toujours à nous demander quelque chose. Alors on donne le coup de main, donc ça a l'air bien. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est bien, mais comme on le fait à contre-cœur, en râlant, vous savez notre charme français râleur. Alors évidemment, faut maintenir les traditions, mais celle-là, est-ce qu'elle est vraiment indispensable à voir? Parce que du coup, ça donne égal, ça transmue un peu ce que l'on fait en quelque chose qui est peut-être pas si bon que ça au niveau des conséquences. Et de plus, ça se sent quand même. C'est-à-dire que aider quelqu'un, mais en lui montrant bien que, hein, il abuse,
C'est pas la même chose que si on arrive avec un grand sourire et qu'il sent qu'il est bien reçu, bienveillant. En plus, c'est plus agréable pour tout le monde si on y va avec un petit peu plus d'enthousiasme. Donc, pour ça, que dans le bouddhisme, on va vraiment considérer que n'importe quand, en tout lieu, en toute heure, pourrait-on dire, l'état d'esprit, la motivation, c'est vraiment primordial. Ce qui fait également que selon notre tradition, on conseille à tout un chacun, et là vraiment c'est pas du tout une question d'étiquette religieuse, d'engagement dans telle ou telle religion et autres, c'est vraiment un truc pour l'art de vivre. C'est le matin quand on se réveille, au lieu de se dire « il y a encore cette fichue déclaration des impôts que j'ai pas encore remplie, heureusement qu'on peut la déclarer en ligne, mais il y a plus que 2 jours, c'est quelque chose comme ça hein, je crois, ou 3 jours ». Et puis, il va encore falloir faire tel courrier, il faut aller au travail, les collègues, qu'est-ce qu'ils sont pénibles. Ben, au lieu de ne penser qu'à ça le matin, donc d'essayer de se dire, ah ben c'est quand même pas mal, je suis pas mort. Si je peux me réveiller, c'est que je suis en vie, c'est quand même déjà quelque chose qui est précieux. Alors, puisque cette belle journée s'ouvre, après tout, autant la voir d'une manière un peu plus riante. Et si on pouvait aborder cette journée en se disant ben, « je vais essayer d'en faire quelque chose de bien, d'agréable, et pour moi et pour les autres », ça change tout. Vous savez, on dit que quand on va répondre au téléphone, selon qu'on ait le sourire ou pas avant de décrocher, ça change complètement la tonalité de la voix et que l'autre entend en fait. Au téléphone, on se voit pas, mais ça s'entend un sourire. Et on pourrait dire qu'un sourire le matin, sous forme de bonne motivation, eh ben, ça va s'entendre toute la journée. Alors comme il est après tout encore le matin, on va peut-être prendre après 2-3 minutes justement pour essayer de se mettre dans ce genre d'état d'esprit. Alors toujours selon le bouddhisme, normalement nous ce que nous ferions, ça serait de partir du constat que nous, tant qu'à faire, nous préférerions être heureux, ne pas avoir à souffrir. C'est naturel et légitime. Puis à mieux y regarder, les autres ils n'ont pas tellement plus envie que nous de souffrir et d'être malheureux. Et toujours à mieux y regarder, finalement, nous devons beaucoup de choses aux autres. On en reparlera après. Et à partir de là, on pourrait se dire, actuellement, moi, j'ai quand même pas mal de chance. Moi, je suis un être humain dans un pays qui est fabuleux, qui est privilégié. Allez, quand même, on a de la chance ici. Le climat, il est formidable, le climat, quand même. Donc, on a vraiment beaucoup de chance à beaucoup de points de vue. Et ça serait peut-être d'en tirer parti pour en faire profiter un maximum de gens. Alors en tant que bouddhiste, on ira jusqu'à dire, à ce moment-là, j'aimerais bien progresser jusqu'à devenir Bouddha pour pouvoir œuvrer pour le bonheur de tout le monde. Mais à la limite, hors bouddhisme et hors vocabulaire un peu technique, on pourrait tout à fait se dire, j'ai quand même pas mal de chance, j'ai vraiment un potentiel qui ne demande qu'à être mieux exploité. Et ben, je vais essayer d'en tirer mieux parti pour que ça soit mieux pour moi et mieux pour les autres. Et nous, c'est ce qu'on s'appelle se mettre dans une bonne un bon état d'esprit et développer une bonne motivation. Alors, on va peut-être pas prendre trop de temps, mais je vous propose, on reste juste une petite minute ou deux, tranquillement, pour essayer de réfléchir un peu de la sorte, si vous le voulez. Hein. Vous pouvez penser à tout à fait autre chose si vous préférez. Et en fait, l'air de rien, nous sommes déjà totalement dans le sujet. Puisque le thème de cet exposé du matin, c'était donc l'amour. C'est l'amour. Mais
pour nous, dans le bouddhisme, le terme d'amour a deux significations bien précises, dont l'une, c'est de souhaiter le bonheur de l'être ou des êtres concernés. Et donc, quand on se met dans un tel état d'esprit, en se disant, ben, ça serait tellement bien que tout le monde puisse être heureux, en fait, ça revient à cultiver l'amour et ça revient donc à méditer l'amour. Autrement dit, c'est pas si compliqué que ça. Le tout, c'est de s'y habituer. Et effectivement, le terme de méditation, si on repart des mots en tibétain, là c'est tout à fait parlant, ça veut dire littéralement s'habituer à, habituer son esprit à. Alors si on voit ça d'une manière plus négative, on pourrait dire c'est se conditionner, c'est un conditionnement, mais après tout, changer des mauvais conditionnements par des bons conditionnements, c'est peut-être pas si négligeable que ça. Hein. Donc le travail de méditation, c'est un travail de familiarisation, d'accoutumance. Alors à partir de là, il y a toutes sortes d'objets qu'on pourrait choisir pour s'entraîner à la méditation. On peut s'asseoir et observer les pensées qui s'élèvent à l'esprit sans vouloir les saisir, sans vouloir s'y arrêter. Donc là, ça serait ce que feraient notamment nos amis dans les centres zen, chan, etc. Mais dans toutes les formes de bouddhisme, également méditer en observant la nature de l'esprit, bien sûr. Plus simplement, on peut méditer sur une image mentale. Pour les bouddhistes, par exemple, ça serait méditer sur un Bouddha. Ça pourrait être dans tous les cas de figure, dans toutes les traditions, simplement pour s'entraîner à la méditation et améliorer la concentration, méditer sur une lumière. Ça peut être aussi méditer une qualité ou une connaissance. Une qualité, ça serait méditer l'amour, méditer la compassion. Méditer une connaissance, ça serait par exemple méditer sur la vacuité. Bon, il faudrait déjà avoir compris avant, hein. Qui dit connaissance dit quand même avoir compris. Donc, pour pouvoir s'habituer, il faut connaître l'objet. Pas forcément très bien au point de départ, mais il faut quand même l'avoir au moins un tout petit peu repéré. Donc, on pourrait également méditer sur l'impermanence. On pourrait méditer, ça j'en aurais bien besoin, sur la patience, etc., etc. Alors, il y a deux choses également, c'est qu'il y a d'une part méditer sur... Et puis méditer tout court, c'est-à-dire méditer sur, par exemple, méditer sur l'amour, ça serait se dire qu'est-ce que c'est que l'amour? En quoi ça consiste? Quelle pourrait être la teneur? Donc là, ça serait plutôt une méditation de type analytique, de type on recherche, on essaye de comprendre ce qu'est l'amour. Et effectivement, il y a un moment où il vaut mieux se poser la question, parce que sinon il peut y avoir des dérives très rapides. Parce que qui dit amour ne dit pas forcément Cupidon uniquement. Soyons clairs dès le départ, en tout cas selon le bouddhisme. Mais on peut également méditer, par exemple, la compassion, ou aussi méditer la patience, hein, ou la générosité, etc., non plus en méditant sur, mais en méditant cette qualité elle-même, ce qui voudrait dire faire apparaître un tel état d'esprit et le maintenir pour s'y habituer. Donc là, méditer l'amour, ça voudrait dire d'abord faire apparaître en soi un état d'esprit plein d'amour, donc faire surgir de l'amour pour les êtres, et ensuite maintenir cet état d'esprit de manière à s'y accoutumer, à ce que ça devienne, pas une seconde nature, mais une première nature. C'est ça vraiment le but de la méditation, c'est qu'un jour on n'a plus besoin de faire l'effort, ça vient naturellement. Dès qu'on voit un être, eh bien, l'amour surgit, on l'aime. Ça c'est un... Ou dès qu'on voit un être qui souffre, qui souffre d'une manière ou d'une autre, constatant qu'il souffre, on n'a plus besoin de réfléchir, de se demander. Non, la compassion jaillit. Ça c'est le résultat
d'un entraînement à la méditation portant sur la compassion, et ainsi de suite. La générosité aussi, c'est bien de se dire, voyons, qu'est-ce que c'est que la générosité? Quelles sont les différentes facettes de la générosité? Comment peut-on apprendre à se devenir? Ça, c'est bien, mais l'action, c'est pas mal non plus. Donc, disons que l'aboutissement d'une méditation, c'est que désormais, on serait généreux. Donc, pour nous, dans notre vision des choses, quelqu'un comme un Bouddha, qui s'adonnait à toutes sortes de pratiques, à la méditation, qui a réuni ce que nous appelons les accumulations de mérite et de sagesse, au final, eh bien, toutes les qualités en question, toutes les qualités dont nous sommes tous porteurs, sont désormais totalement naturelles en lui et spontanées. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de se dire, tiens, est-ce que celui-là, il a envie d'être heureux? Oui, donc ça serait bien qu'il soit heureux. Ça, c'est l'amour, mais un peu artificiel encore. Non, un Bouddha ressent de l'amour au sens que, naturellement, spontanément, il ne souhaite qu'une chose, c'est que tous les êtres puissent être continuellement heureux. Un Bouddha ressent continuellement de la compassion, en ce sens que, dès lors qu'un être souffre quelque part, le Bouddha, le sachant, puisqu'en plus il est omniscient, il ne peut qu'éprouver de la compassion, c'est-à-dire ressentir cette souffrance comme inadmissible, comme intolérable. Et là, l'intérêt, vous voyez, c'est que ces valeurs dont nous parlons, ces qualités, elles ne sont quand même pas le monopole des bouddhistes, hein, et bien heureusement. C'est-à-dire qu'après, chacun d'entre nous, quels que soient ses choix de vie, ses choix de religion ou de pas de religion du tout, nous pouvons tout à fait nous retrouver dans ce genre de vision, éventuellement de cheminement, puisque qui que nous soyons, développer des qualités telles que, on va reprendre l'amour, la compassion, la générosité, l'éthique, la patience, la concentration, l'enthousiasme, la sagesse, ça mange pas de pain. Ça peut pas faire de mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà un petit peu pour poser le cadre général. Alors, à part ça, c'est vrai que les termes, en traduction, c'est jamais très satisfaisant. Alors, nous sommes obligés quand même d'utiliser des conventions. Donc, il y a deux types de qualités qui portent le même nom dans le vocabulaire bouddhiste et que donc nous traduisons par convention toutes les deux par amour. Mais en fait, les deux connotations sont quand même sensiblement diverses puisque d'une part, il y aurait l'amour en tant que souhait, que là où les personnes ou l'être ou les êtres concernés se sentent heureux. Et d'autre part, il y aurait l'amour en ce sens que l'autre, quel qu'il soit, nous apparaîtrait maintenant naturellement comme quelqu'un de très proche, quelqu'un de sympathique, d'attrayant. Donc là, ça serait, on pourrait dire, de l'amour en tant qu'amitié. Une amitié qui nous ferait voir tous les autres comme autant de personnes très proches. Et donc, automatiquement, viendrait la deuxième forme d'amour dont nous aurions envie que ces êtres puissent être bien et se sentir heureux. Parce que, effectivement, dans la progression, il vaut mieux partir de là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, je ne sais pas vous, mais pour moi, je dois dire que l'égalité mentale, c'est encore un objectif à atteindre. C'est-à-dire que mettre tout le monde exactement sur le même niveau, c'est facile à dire, c'est plus difficile à accomplir. Et donc, moi, j'ai tendance, quand je rencontre des personnes, ou des êtres, hein, parce qu'il n'y a pas que les personnes humaines, il y a tous les autres êtres. Par exemple, j'ai trouvé un chat plus sympathique qu'un serpent, a priori, ce qui est complètement idiot, parce qu'après tout, ils ont les mêmes besoins et les mêmes droits. Vous savez, les droits des animaux, c'est quand même fondamental dans notre... Expliquez-moi pourquoi j'ai pas la même réaction quand je vois un petit oiseau que quand je vois un scorpion. Maintenant, vous remettez ça dans le règne humain. On a un petit peu le même genre de réaction, c'est-à-dire qu'il y en a qui nous apparaissent plutôt comme des petits oiseaux, et puis d'autres, un peu différemment, dirons-nous. Et tant que ça reste comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'égalité mentale.
Le problème, c'est que si on n'a pas d'égalité mentale ou d'équanimité dans notre jargon technique et maison, c'est que du coup, on va avoir tendance à aimer bien les uns et un petit peu moins les autres. Or, après tout, dans un cas comme dans l'autre, ils sont vivants. Ils ont des besoins, ils ont des aspirations, et leurs aspirations sont étrangement similaires aux nôtres. Ils voudraient vivre tranquilles, ils voudraient même vivre heureux. Après tout, ce qui serait normal pour nous, on pourrait arriver à considérer que ça serait normal également pour autrui. Donc si on arrive déjà à admettre que finalement tout le monde a les mêmes besoins, qu'on a tous les mêmes aspirations, ça permet de créer une certaine égalité entre tous les êtres. Et à partir de là, on peut aller plus loin. Et commencer à se rendre compte que tous ces autres êtres qui, au point de départ, nous semblent des êtres étrangers, inconnus, ben ils sont peut-être pas aussi lointains de nous que nous l'imaginons. Alors dans le bouddhisme, on va même aller très loin. En tout cas, dans le Mahayana, on va aller jusqu'à faire en sorte de reconnaître que tous les êtres ont pu être pour nous des mères au fil de nos vies successives. Mais même sans pousser le bouchon jusque-là. Tous ces autres êtres, même si actuellement ils nous semblent parfois très éloignés de nous, ils sont d'un autre point de vue extrêmement proches, en ce sens que nous partageons plein de choses avec eux et que nous leur devons beaucoup. Bah, par exemple, pour nous, sur notre planète, là, nous partageons déjà le même habitat. Et donc, si les uns font des bêtises à un endroit, ben, c'est les autres qui risquent de trinquer aussi à un autre endroit. Vous connaissez tous le fameux effet papillon. Ben, ça marche même là. C'est-à-dire que quand il y en a qui s'amusent à polluer, à tirer l'arigot dans un petit endroit de la planète, ben, c'est eux, ils vont sans doute en pâtir, mais il n'y a pas qu'eux qui vont en pâtir. Hein. Mais inversement, s'il y en a qui font des choses bien à un endroit, bah, d'autres vont également pouvoir en bénéficier. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien non, les autres ne sont peut-être pas des étrangers complets à 100%, et si lointain que ça, il y a quand même des liens qui nous unissent à eux. Alors après, si nous nous mettons dans le cadre des vies successives, de la loi de causalité, d'une manière plus technique, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, mais rien que comme ça, il y a cette fameuse notion très chère au bouddhisme, mais pas qu'au bouddhisme, j'imagine, l'interdépendance. Eh ben, on aura beau faire, on dépend de l'environnement et des autres. Donc, parce que être dans sa petite bulle, ben, il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour construire la bulle, pour l'avoir conçue, pour l'entretenir et pour nous amener de l'oxygène. Donc, pour qu'il y ait de l'oxygène, il faudrait déjà sauvegarder l'oxygène. Ça devient urgentissime d'ailleurs. Donc, non, les autres, ils sont pas si loin que ça. Et à partir du moment où nous nous rendons compte qu'il y a un lien avec les autres, finalement les autres, bon, ils peuvent être des casse-pieds, hein, ça arrive, mais nous leur devons beaucoup, beaucoup. S'ils n'étaient pas là, les autres, nous ne serions pas là non plus. Parce que l'autogénération, ça peut peut-être arriver dans certaines espèces, mais en tout cas, chez les êtres humains, ça a l'air d'être relativement rare. Enfin, je ne sais pas pour vous. Et puis après ça, bah, il y a quand même, vous savez, les petits humains là, on n'est pas très dégourdis hein, au moment de la naissance. Il faut quand même qu'il y ait des personnes qui nous aident, qui nous préservent, qui nous nourrissent, etc. Puis après, la connaissance, ça nous tombe pas non plus comme ça dans le bec immédiatement. Alors d'accord, Charlemagne, on a une dent contre lui, mais n'empêche que grâce aux écoles, grâce aux enseignants, etc. Bah, il y a quand même des petits effets secondaires, pas désagréables. La lecture, quand on aime lire, mais c'est un délice. Ce sont des moments de pur bonheur. Et de toute manière, même si on n'aime plus lire et qu'on préfère visionner des choses sur ordinateur ou sur les petits machins dont je sais même pas le nom là, bah, il a fallu également des gens qui les conçoivent, qui les inventent, etc. etc. Donc il a fallu qu'il y ait des autres pour faire tout ça. Notre nourriture, même si nous repartons à l'époque de la cueillette, survivre tout seul,
on va pas aller très très loin, très longtemps. Hein. Donc, à tout point de vue, nous devons beaucoup aux autres, bah, les médecins, les médicaments, etc., etc., les habits. Bon, c'est bien d'être dans la jungle tout nu, mais bon, quand il faisait comme hier, quelques vêtements, c'est pas si mal que ça non plus. Donc tout ça également, nous le devons à autrui, et ainsi de suite. Et plus nous arriverions à voir ô combien nous sommes redevables à beaucoup de points de vue aux autres êtres, et normalement, plus les autres, si nous entrons dans le sujet, hein, parce que si nous restons au ras des pâquerettes, ça va pas marcher. Mais si nous essayons d'entrer dans une telle vision des choses, normalement, naturellement, les autres devraient devenir de plus en plus sympathiques. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui fait qu'habituellement nous aimons bien, pas toujours, nous aimons bien nos proches, les membres de notre famille ou ceux que nous appelons nos amis? Ben, c'est parce que nous avons l'impression, à juste titre d'ailleurs, qu'ils nous apportent beaucoup. Et c'est ça qui fait que nous les voyons sous un jour si joli par rapport à d'autres soi-disant inconnus. Donc plus nous arriverons à comprendre ô combien nous dépendons des autres et tout ce qu'ils nous apportent, ça va automatiquement leur donner une autre tonalité, parce qu'actuellement, le problème, c'est que tant que nous les voyons comme des inconnus, qui dit inconnu dit étranger, qui dit étranger dit inquiétant. Et qui dit inquiétude et peur dit également réaction plutôt de rejet, voire d'aversion. À l'inverse, ce qui n'est plus étranger, ce qui n'est plus inconnu, qui devient familier, qui devient proche et qui devient porteur d'un tas de bonnes choses, eh ben, ça devient quelque chose qu'on peut aimer, ou quelqu'un qu'on peut aimer. Donc, en fait, une méditation sur l'amour, ou une méditation de l'amour, ça pourrait, ça devrait même, suivre un tel cheminement. Et peut-être, là, on peut prendre déjà 2-3 minutes, simplement, pour vous, par exemple, vous demander, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces salades? Qu'est-ce qu'on est en train de raconter? C'est du n'importe quoi. Ou dire, bah oui, peut-être qu'il y a quand même un petit quelque chose à en tirer. Est-ce que ça correspond quand même à une certaine réalité de nos expériences? Finalement, qui allons-nous privilégier en tant qu'amis? Ceux dont nous considérons qu'ils n'arrêtent pas de nous mettre des bâtons dans les roues, ou ceux dont nous avons l'impression qu'ils sont toujours prêts à nous tendre la main, surtout quand nous aurions des problèmes. Donc ça, c'est un sujet de réflexion pendant 3 secondes et demie. Mais peut-être pas pendant la méditation. C'est pas grave, c'est pas grave. Avant que tout le monde ne s'endorme. Madame, s'il vous plaît. Non, il n'y a aucun problème. Oui. Oui. Il n'y a aucune... Oh, pardon. Merci. Il n'y a, aucune gloire à aimer ses amis, alors qu'aimer son ennemi, c'est totalement différent. C'est déjà... le considérer comme un être humain au-delà des apparences. Et je pense qu'il n'y a pas, pour moi, à mes yeux,
si on comprend bien entre les lignes, il n'y a pas d'ennemi, c'est nous-mêmes qui voyons d'après les apparences. Et la personne que l'on considère comme son ennemi, elle est placée sur notre chemin pour justement nous aider à vaincre nos peurs, notre ignorance, notre orgueil et beaucoup de choses que je ne vais pas citer ici, que vous connaissez. Donc, et voilà, je vais dire, ces personnes-là, il faut les remercier. Si je n'ai pas à conseiller ni à prendre votre place, mais aimer ses ennemis, à mon avis, c'est le plus beau chemin qu'on puisse réaliser ici-bas sur Terre, étant passant dans un corps en location. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je dis bonjour à tout le monde et belle et sainte journée en même temps. Voilà, et à vous aussi naturellement. Mais je vous remercie infiniment, d'autant plus que vous avez juste anticipé ce que je souhaitais dire. Mais c'est très bien. Alors là, je trouve que c'est encore mieux parce que ça montre bien également qu'ô combien, dès lors qu'on dépasse un certain nombre de clichés, etc., on peut tout à fait se rejoindre. Avec juste une petite différence dans le vocabulaire. C'est-à-dire que, oui, actuellement, il y a des personnes qui peuvent nous sembler être des ennemis. Alors que dans ce cheminement, mais après, il y a d'autres manières d'envisager pour arriver finalement presque au même but. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui serait un ennemi, c'est quelqu'un dont nous considérons qu'actuellement, il nous est nuisible ou il nous déplaît à certains points de vue. Mais dans le bouddhisme également, on va dire que l'idéal, ça sera de... C'est même pas un idéal, c'est un objectif à atteindre. Petit à petit, changer de vision et sur la base de ce qui venait d'être dit, arriver à englober tout le monde. C'est-à-dire que quels que soient les comportements des êtres et des personnes actuellement, et c'est pour ça que j'avais pris l'exemple de ceux qui nous font peur dans le règne animal, en tout cas pour beaucoup de gens, les serpents et les scorpions, ils ont peut-être un aspect rébarbatif. Nous avons l'impression, nous, qu'ils sont hostiles et agressifs, mais c'est nous qui disons qu'ils sont hostiles et agressifs. C'est nous qui les voyons comme inquiétants et angoissants. Et le but de la méditation, c'est de changer de regard. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les uns comme des proches et les autres comme des pas proches, ou si vous voulez, les uns comme des amis, les autres comme des pas amis, voire des ennemis, ça serait de petit à petit se rendre compte qu'effectivement, on doit beaucoup à tout le monde et qu'il n'y a pas de raison. C'est pour ça que j'avais d'abord parlé de l'égalité d'esprit. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on commence par établir une égalité d'esprit. On essaye. C'est-à-dire que en allant au-delà des catégories ordinaires, amis, ennemis, inconnus, indifférents, de voir qu'il y a quand même une communauté entre tous les êtres, à beaucoup de points de vue. Et à partir de là, essayer de scruter ce que chacun nous apporte, quel que soit sinon son positionnement. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, celui qui actuellement agit pour nous en tant qu'un ami, dans le bouddhisme, on va dire c'est peut-être lui qui est notre meilleur ami. Et on ira jusqu'à dire en fait c'est lui notre maître. C'est lui notre maître. C'est-à-dire que le maître, c'est pas celui qui est gentil et qui risque même de nous enliser dans nos petites habitudes, dans notre confort, etc. Alors que celui qui est dérangeant, lui, il va, si nous le prenons d'une certaine manière, il devrait nous permettre de grandir et de dépasser un certain nombre de préjugés ou de jugements. Et c'est vrai que dans la vision, parce que dans le bouddhisme, le maître est quelqu'un d'extrêmement important, et il y a plusieurs types de maîtres. Il y a le maître au sens de celui que l'on a choisi de suivre et qui va délivrer les enseignements, mais il y a le maître, par exemple, le maître de patience. Et il n'y a pas mieux que celui qu'on appelle habituellement un ennemi, en tant que maître de patience. Parce que qui dit patience, dit avoir quelque chose vis-à-vis de quoi il faudrait, ou quelqu'un, vis-à-vis de quoi il faudrait faire preuve de patience. Si tout le monde est adorable avec nous, nous n'aurions jamais l'occasion, l'opportunité d'améliorer cette qualité qui est nôtre et de la patience.
Et donc, si nous arrivons à voir qu'effectivement, même celui qui est extrêmement pénible, odieux, dérangeant, il nous apporte énormément en ce sens qui nous permet également, finalement, de voir nos propres lacunes. Si nous en sommes encore à réagir au quart de tour, c'est qu'il y a, il y a encore des petites choses à améliorer. Si nous ne réagissons que par de la colère, de la rancune, etc., c'est qu'il y a aussi quelques progrès à faire, dirons-nous. Donc, il est un miroir très intéressant, très instructif. Et il est une excellente occasion pour nous entraîner à la patience. Et si nous arrivons à le voir comme ça, eh bien, nous allons réussir petit à petit à l'aimer. Alors, évidemment, ça coule pas de source. Hein. Et c'est pour ça que méditer l'amour, je vous disais tout à l'heure, c'est facile d'en parler. Après, le chemin, alors ça dépendra des gens. Évidemment, on ne démarre pas tous au même niveau. Pour certains, ça va être immédiat et ça va couler de source. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus ardu, mais qu'importe. Nous avons tous une capacité d'amour. Et c'est vrai que l'amour, ça n'est pas que d'avoir de l'attachement pour ceux que le hasard, entre guillemets, nous on dirait plutôt le karma, aurait positionné à nos côtés. L'amour devrait, au final, inclure tous les êtres, y compris, et voire surtout, ceux que dans d'autres circonstances antérieurement nous aurions qualifiés d'ennemis, mais que désormais nous allons pouvoir, à juste titre, intitulé amis et peut-être les meilleurs de nos amis parce que ça serait eux qui nous auraient fait le plus progresser. Bon, ben, tout ça, faut se donner un peu de temps aussi après. Alors, on va pas y arriver tout de suite, tout de suite. Enfin, peut-être vous aussi, hein. Donc, pour résumer, nous, dans notre vision des choses, il y aurait deux types d'amour. Donc, d'abord, arriver à cette vision de l'autre en tant qu'ami, quel que soit le point de départ, et donc se sentir, le voir comme quelqu'un qui souhaite le bonheur, etc. Et à partir de là, développer l'amour en tant que désir que l'autre soit heureux. Et c'est là également qu'il y aura plein de questions qui vont vraiment abonder et surgir, parce que vouloir le bonheur d'autrui, après faut s'entendre sur ce qu'est le bonheur. Est-ce que c'est juste le plaisir? Est-ce que ça va être à court terme, à moyen terme, à long terme? De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est forcément ce dont l'autre a envie, mais en fait on se rend compte qu'il va complètement dans le mur? Ou est-ce que c'est quelque chose dont on penserait qu'il serait bien pour lui, mais dont lui il a aucune envie, etc. Vouloir le bonheur d'autrui, alors là c'est également très très compliqué finalement comme challenge. Ce qui veut dire que pour que ensuite l'amour puisse s'épanouir et avoir des retombées, ça serait pas mal qu'on le fasse marcher avec d'autres petites qualités dont nous sommes également de toute manière porteurs, au moins d'une manière potentielle, notamment la sagesse, si vous préférez le discernement. Parce que sinon, sous prétexte qu'on aimerait quelqu'un et qu'on voudrait son bonheur, si ça devient du laxisme, de la faiblesse et de la démission, c'est peut-être contre-productif. Parce que aimer quelqu'un, c'est pas non plus l'abandonner à son sort. Donc c'est, en fait, la question est très très compliquée dans le vocabulaire, quand on étudie la philosophie bouddhiste, il y a les définitions qui sont proposées pour les différentes qualités. Et en ce qui concerne la sagesse ou le discernement, je dirais que c'est la faculté de notre esprit pour discerner ce qu'est un objet, pour faire la part des choses. Ben, la barre est haute, hein. Parmi vous, certains ont sûrement des enfants. La forme d'amour la plus naturelle et la plus spontanée, en général, c'est l'amour des parents pour leurs enfants. Donc, on peut dire que dans une majorité écrasante de cas, les parents n'ont qu'une envie, c'est de faire le bonheur des enfants. Alors maintenant, sur le terrain, faut voir ce que ça donne. Parce que, assez curieusement, les enfants, ils ont leur caractère.
et ils expriment des désirs, dont certains sont tout à fait compréhensibles, et puis il y en a d'autres, parfois on se dit, mais qu'est-ce qui peut bien leur passer par la tête, hein? Ce qui fait que dans ce duo harmonieux entre d'un côté les parents et d'autre côté les enfants, dont les parents qui voudraient tout pour leur bonheur des enfants, bah pour arriver à accorder les violons et à sortir des notes justes, il va falloir beaucoup de discernement. Et tout ça, ce sont également des choses qui se travaillent. Mais ce n'est pas couru d'avance. Donc là, on peut prendre juste une seconde ou deux pour y réfléchir également, parce que, et puis après, vous pourrez peut-être me dire aussi ce que vous en pensez, parce que vous n'êtes pas du tout obligé d'accepter et d'admettre ce que je dis. D'ailleurs, s'il y a un peu de contestation, c'est plus amusant. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, du sujet ? Facile ou pas facile, finalement ? Je crois que ça serait bien de donner un micro, monsieur. Ça sera... Non, ça va ? D'accord. Alors, il y en a... J'ai pas... Enfin, disons qu'en simplifiant, disons qu'on va dire qu'il y a deux connotations plutôt que des définitions. Il y aurait l'amour en tant que souhait que l'être ou les êtres concernés puissent connaître le bonheur, puissent être heureux, et l'amour en tant qu'amitié ou sympathie qui consiste à voir l'autre ou les autres comme des êtres proches et sympathiques, oui. Et c'est là la grosse difficulté. Non, mais vous avez parfaitement raison, totalement d'accord. Et là, c'est extrêmement compliqué parce que, en plus, on peut pas donner une définition du bonheur sauf d'une manière première. C'est-à-dire que, et parfois, c'est le mieux, c'est de revenir à des choses très très simples. C'est, dans le bouddhisme, on dit que qui dit bonheur dit avant tout sensation. Et sensation, on a tout le temps des sensations et on a en tout et pour tout trois types de sensations. Soit des sensations agréables, donc bonheur, soit des sensations désagréables, soit des sensations neutres. Et selon nous également, le fait que nous éprouvions ou non des sensations agréables, désagréables ou neutres, ça dépend de tout un ensemble de causes et de conditions, sachant que les conditions immédiates ne sont pas forcément les conditions principales. Pour nous, nous allons faire intervenir la loi de causalité et les notions de karma. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse à un moment éprouver des sensations agréables, il ne suffit pas, et on peut le constater facilement, qu'il soit dans un contexte matériel favorable. Il faut également qu'il soit porteur d'un certain nombre d'éléments que nous allons appeler des karmas ou des empreintes, qui lui permettent de ressentir, de se mettre en adéquation avec l'environnement et de ressentir alors des sensations agréables. Et les exemples que nous aurions tendance à donner, c'est-à-dire vous mettez deux ou trois personnes exactement dans une même configuration matérielle,
Par exemple, ils sont jeunes, beaux, en bonne santé, riches, avec une famille, un travail, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc le contexte est apparemment très favorable, mais c'est extérieur. Ça ne veut pas dire que tous les trois ils vont se sentir heureux. L'un va réagir peut-être en étant complètement indifférent. Un autre, bien qu'étant dans un contexte extrêmement favorable extérieurement, va peut-être se sentir profondément malheureux. Et vous aurez une autre personne qui, allant chercher autre chose en elle-même, elle va se sentir principalement heureuse. Donc c'est vrai que pour nous, bonheur, ce sont des sensations, sachant que les sensations sont avant tout déterminées ou conditionnées par ce dont la personne est porteuse. C'est une vision des choses. Ah non. Ah mais c'est automatique. Oui. Alors là, c'est intéressant. D'accord. Mais c'est intéressant que vous disiez ça parce que ça apporte, ça m'amène sur un autre point que je voulais aborder juste après. Et nous, nous faisons une différence énorme entre ce que je venais d'appeler amour et ce que vous venez de citer, que moi j'appellerais attachement. Dans le bouddhisme, on va faire la différence entre l'amour où on souhaite le bien, le bonheur, mais où il faut effectivement faire intervenir la sagesse et le discernement par rapport à l'attachement qui présente beaucoup de points communs avec l'amour, mais qui en réalité amène à ce que vous dites et qui est un désastre, qui est un désastre pour tout le monde. Et là, vous, en fait, c'est vraiment gentil à vous de dire ça. Vous faites la transition avec ce que je voulais dire. C'est d'abord les obstacles à l'amour. C'est l'attachement, c'est-à-dire une déviation en dépit des points communs. Et l'ennui, c'est qu'en général, on croit avoir de l'amour alors qu'en fait, ça n'est que de l'attachement. Et l'égocentrisme. C'est-à-dire que naturellement, la plupart d'entre nous, on est égocentrique. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est avant nous, nous et nos proches, au sens ordinaire du terme, et les autres, ils sont des objets que nous pouvons utiliser à notre gré et pour notre confort. Et ça amène exactement tout ce que vous dites, et là, on est complètement... Là, tout à l'heure, je vous disais, il y a des objectifs à atteindre, mais la réalité, vous avez raison, c'est qu'actuellement, la plupart des êtres, nous sommes dans l'attachement, nous sommes dans l'égocentrisme, et du coup, nous n'allons pas hésiter à tuer, à massacrer, à abuser d'autres considérés comme extérieurs, étrangers, et qu'on relègue à l'état d'objet. C'est-à-dire que il y aura ceux qui seront proches de nous, et nous allons considérer que ce sont des êtres vivants qui mériteraient d'être heureux. Et puis à tous les autres, que nous allons voir simplement comme des objets. Alors soit ils sont dérangeants, on va les tuer, soit ils peuvent avoir un petit intérêt, on va les réduire en esclavage, et on va les exploiter au maximum. Mais ce que vous dites, je suis totalement d'accord, mais complètement d'accord, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons, c'est la réalité du monde ordinaire, c'est que au lieu d'éprouver de l'amour, on a attachement et égocentrisme. Et comme je vous disais, je suis complètement d'accord et conscient du fait que l'amour, c'est quelque chose qui semble beau, mais qui est extrêmement difficile à développer parce que ça voudrait dire amour plus discernement, et ça, ça court pas les rues. Et ce qui court les rues, c'est l'attachement qui va aller de pair avec, comme je vous disais, l'égocentrisme, mais également la haine. Et donc ça va donner, déjà dans le voisinage, les problèmes de voisinage. Au sein des familles, ça peut entraîner beaucoup de tumultes. Au sein d'une nation, pareil, et au niveau planétaire, c'est bien parce que nous avons beaucoup d'attachements, beaucoup d'écocentrisme, et que, en général, nous nous moquons éperdument des autres, que nous, par exemple, sous prétexte que nous avons certains moyens, nous allons polluer,
Et tant pis pour les voisins, tant pis pour les générations à venir. Donc, je vous rejoins totalement, monsieur. Oui ? Oui. Oui. Un être qui éprouve beaucoup de compassion pour les autres, comment peut-il trouver le bonheur ? Parce que, je veux dire, quelqu'un qui a la sensibilité de cette compassion va être malheureux quand il y a du malheur partout. On est, voilà. Comment peut-on trouver le bonheur quand on est sensible et qu'on a beaucoup de compassion ? Alors, ça dépend ce qu'on entend par compassion. Le terme français, comme je vous disais, c'est vraiment des problèmes de traduction aussi. Le terme de compassion est maintenant passé dans les usages, mais il est très mauvais. Mais quand on est sensible... Bah oui, mais c'est ça, c'est-à-dire compassion, ça veut dire souffrir avec. Alors que ce dont nous sommes en train de parler, enfin dans l'optique maintenant du bouddhisme, c'est pas du tout souffrir avec. C'est prendre conscience qu'il y a des êtres qui souffrent, estimer que c'est pas normal, et se dire qu'il faudrait faire quelque chose pour que ça s'arrête. Et donc, c'est pas, il s'agit pas d'être sensible au sens de se laisser... submergé par des émotions. Je comprends, mais il y a souvent des cas où on ne peut rien faire, malheureusement. Je veux dire, c'est, hein, on est bien obligé d'accepter voilà, plein de choses qui se passent. Et que, voilà. Alors, de toute façon, ce sont des sujets, comme on disait, pareil, c'est pas simple. Et disons que quand... à nouveau, il faudrait qu'il y ait compassion plus sagesse et discernement. C'est-à-dire arriver à voir ce que actuellement... ce qui pourrait être fait, ce qui ne peut pas être fait, comme disait un très grand maître Shantideva, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une solution ou est-ce qu'il n'y a pas de solution ? S'il y a une solution, ce n'est pas la peine de s'énerver, ce n'est pas la peine de s'inquiéter, il suffit d'appliquer la solution. Elle est peut-être difficile, elle va peut-être prendre du temps, mais il suffit de travailler. S'il n'y a pas de solution, ce n'est pas la peine non plus de s'énerver et de s'inquiéter, il n'y a pas de solution, donc il faut également prendre acte. Et là, c'est également la sagesse qui, alors, d'une part, est nécessaire pour arriver à discerner s'il y a ou non une solution, et toujours la sagesse pour accepter également que quand il n'y a pas de solution, il n'y en a pas. En tout cas, pour le moment. Et il y a des choses dont, même sur le plan tout simplement physique, c'est comme ça. Nous naissons, nous vieillissons. Alors, dire que vieillir, c'est drôle. Non. Non, c'est pas drôle de vieillir. Mais... si, parce que nous trouvons que c'est pénible, ça, nous nous indignons et que nous nous révoltons contre le vieillissement, nous ne faisons qu'ajouter une souffrance inutile à des douleurs physiques qui peuvent déjà être réelles. Donc nous empirons la situation. Alors que si nous disons, c'est pas marrant de vieillir, mais je peux pas faire autrement, donc je vais faire avec, mais en essayant d'accompagner pour que ça soit le moins pénible possible, nous n'allons pas échapper au vieillissement. Mais comme nous admettons, il ne faut pas que ça soit admis intellectuellement, il faut vraiment que ça soit assimilé pour que ça marche. Si nous arrivons à considérer que c'est normal, et donc de ce point de vue-là, ce n'est pas de la résignation, c'est simplement accepter les choses telles qu'elles sont, comme on accepte que le feu soit chaud et que l'eau soit humide, à ce moment-là, ce n'est plus un problème. Ça ne résout pas tout, mais ça retire beaucoup de souffrance. Parce qu'en fait, nous créons beaucoup, beaucoup de souffrance avec des exigences qui ne sont pas très réalistes. Et en ce qui concerne, donc, quand on voit des personnes, des êtres qui souffrent, oui, c'est terrible. Mais si nous nous laissons simplement submerger par l'émotion, ce qui est compréhensible, ça n'aide pas non plus pour aider. Parce que ça nous fait perdre nos moyens. Oui, il y a des gens qui se créent carrément un mur autour d'eux pour ne pas voir, justement, parce qu'ils sont très sensibles et ils ne veulent pas, à force de... Ils seraient toujours malheureux, donc ils se créent... Bon, ce n'est pas très bon non plus, j'imagine. Mais voilà, c'est dur de trouver le bonheur de... C'est très, très dur, oui. Mais la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Et on le sait très bien. Mais par contre, on pourrait essayer d'améliorer un certain nombre de choses. Et alors évidemment, le bouddhisme, c'est une vision des choses, c'est pas la seule vision. Et dans le bouddhisme, on n'a jamais dit non plus que c'était là qu'on détenait une vérité. Ça n'est pas la vérité absolue, c'est une façon de voir les choses, sans plus. Donc selon cette vision-là, on dirait qu'il vaut toujours mieux essayer de regarder les choses telles qu'elles sont. Que ça n'est pas en se voilant la face qu'on va arranger les choses.
C'est-à-dire que oui, quand il y a attachement, il vaudrait mieux voir qu'il y a de l'attachement. Quand il y a des atrocités, c'est vrai qu'il vaut mieux voir qu'il y a des atrocités, parce que si sous prétexte qu'on voudrait que tout le monde soit gentil et mignon, on préfère fermer les yeux, ça revient également à être un peu complice, c'est vrai, et ça va pas du tout faire avancer les choses. Parce que également, qui dit, et c'est là, c'est vraiment le grosse difficulté, mais ça commence déjà avec l'éducation, c'est que parfois, l'amour, la bonté, la compassion et le discernement exigeraient qu'on soit très ferme. Très ferme. Parce que avoir de l'amour et avoir de la bonté, ça ne veut donc pas dire le laxisme. Ça n'est pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi à son gré. Et c'est là que arriver à être ferme, sans être peut-être même parfois violent, mais sans méchanceté et sans haine. C'est pas simple. C'est pas simple. Oui. Peut-être le micro ? Voilà, j'interviens à nouveau. Ça peut dire. Et je suis bien contente de rebondir sur ce que vous parlez de l'attachement. Effectivement, il ne faut pas confondre s'attacher au détachement qui est très terrestre et se détacher de l'attachement qui serait plutôt élévateur. On a trop tendance à vouloir justement que le monde soit monté à notre vision, à notre arrangement, à notre intérêt. Mais je pense qu'on peut beaucoup plus évoluer dans un terrain de difficulté parce que tout est dans l'état. On peut avoir de belles situations, de mauvaises situations. Elles ne seront d'importance dans l'élévation que par l'état d'esprit dans lequel on est quand on est face à ces situations. Et il ne faut pas oublier que la fonction, c'est justement se laisser envahir par tout ce qui est extérieur et l'état qui, si vous le vivez dans l'instant, vous pouvez en faire une continuité. Et Milarepa disait, ceci est la méditation. Et c'est le, moi, je considère, je ne prends pas votre place ni me substitue, mais je pense que le bonheur de l'esprit, c'est l'état dans lequel on est, l'esprit dans lequel on le vit, et le ressenti de le transmettre au monde entier, et que ça fasse, comme vous dites, le vol du papillon, que ça aille dans tous les esprits. C'est là l'interaction, comment on appelle, les uns et les autres. On est reliés tous par ça. Et je pense que même si on arrivait à s'emboîter les uns et les autres, je considère que comme le puzzle, la belle pièce, ça serait l'éveil. Voilà, je la souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute. Merci infiniment à vous, madame. Alors moi, je vous pose une question. Vous parlez donc par exemple d'une maman avec son enfant, ou bien des personnes qui sont vraiment en très grande difficulté. On a de la compassion, on voudrait justement qu'ils soient heureux. Et en fait, il y a un énorme problème dans ces personnes, c'est qu'ils ont eu des programmations dans leur enfance, ou même quand ils étaient dans le ventre de la mère. Ils ont eu des conditionnements. Un enfant, par exemple, on lui dit n'importe quoi, tombe pas, fais pas ci parce que tu vas tomber. L'enfant peut faire dans sa tête le choix de ma vie plus tard, je fais plus rien parce que je vais tomber. Ou bien il peut traduire ça en j'y vais de toute façon, c'est pas grave, on m'a dit que je tomberai, je vais tomber. Ou bien l'enfant peut choisir dans son inconscient, bien sûr, dans ce cas-là, je tomberai pas. Donc j'y vais, mais je tomberai pas, il tombe pas. Donc, dans son inconscient, dès sa petite enfance, il va faire un choix et après, il va peut-être baser sa vie sur tout ça. Et il arrive un moment où, effectivement, il fait des choses, c'est comme ça, parce qu'il est programmé, parce qu'il a été conditionné dans son inconscient. Et nous, on voit ça, on peut peut-être comprendre ou pas comprendre pourquoi il agit ainsi, avoir beaucoup de compassion, voudrait son bonheur, mais il n'avance pas, il ne peut rien faire. Donc, quelle attitude ? En attitude justement d'amour par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Donc qu'est-ce que le bouddhisme dit à ce sujet-là? Et cette personne n'avance pas. Dans le bouddhisme, on dit qu'il faut d'abord soi-même progresser
pour pouvoir un jour peut-être aider les autres à progresser. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand nous verrions quelqu'un qui serait en train de se noyer dans un cours d'eau. Pour pouvoir espérer aller le repêcher, il faudrait déjà nous savoir nager. Nous aussi, nous sommes conditionnés. Donc, c'est un peu tout le, tout le travail ou tous les objectifs de la méditation, comme je vous disais, c'est finalement remplacer des conditionnements par d'autres conditionnements. Nous partons du constat que, étant donné que nous sommes dans un monde ordinaire, etc., ben, c'est inévitable, nous avons été conditionnés par un tas de choses. Il se trouve que ces conditionnements ne sont peut-être pas toujours très favorables, ni pour nous, ni pour les autres. Donc, il y aurait peut-être des méthodes qui permettraient de remplacer tel conditionnement mauvais qui nous ferait réagir par de la haine, de la jalousie, de la convoitise, par d'autres conditionnements qui nous permettraient d'avoir des réactions un petit peu plus bienveillantes et positives. Mais pour pouvoir aider autrui, il faudrait déjà soi-même être relativement fort. C'est-à-dire qu'un médecin, c'est pas parce qu'on veut soigner des malades qu'on peut s'improviser médecin. Il faut d'abord apprendre la médecine. C'est pas parce qu'on a envie de nourrir des gens que on va pouvoir tout de suite préparer un repas. Il faut apprendre la cuisine. Disons qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faudrait d'abord apprendre soi-même, pas simplement les apprendre intellectuellement, mais arriver à les expérimenter. Et à partir de là, peut-être qu'on peut agir d'une manière plus efficace pour autrui. Mais c'est vrai qu'à un certain niveau, dans beaucoup de cas, déjà s'aider soi-même, c'est pas évident. Aider les autres, souvent, pour le moment, à part faire des vœux pieux, nous n'allons pas pouvoir faire grand-chose. Mais il y a la vertu de l'exemple. Mais pour pouvoir donner un exemple, il faudrait être capable de le donner. Après, c'est une question de temps, c'est-à-dire que il y a la question de répétition. Dans l'apprentissage, la répétition, c'est quelque chose de très important. On ne devient pas danseuse étoile sans avoir fait des bars pendant des années et des années. On ne devient pas un virtuose en violon, par exemple, si on n'a pas fait des gammes également pendant des années et des années. Alors là, c'est également, là, on a parfois des réactions un peu curieuses. C'est-à-dire qu'on admet qu'il faut apprendre à conduire pour pas se planter et pas planter la voiture. On admet que pour devenir un bon musicien, il faille aller au conservatoire. On est d'accord que pour devenir un bon sportif, un tennisman par exemple, un tennisman, il va faire du mur pendant des mois et des années. On trouve ça normal. Et dès qu'on arrive dans des sujets infiniment plus délicats, qui touchent à nos comportements, à nos réactions, on pense qu'il faudrait tout savoir tout de suite et tout faire et sans apprentissage avant. Hélas, non. Donc c'est vrai que ça n'empêche pas d'aimer bien les autres, ça n'empêche pas de souhaiter des bonnes choses pour d'autres, mais tant que nous-mêmes, nous n'aurons pas fait un certain cheminement intérieur, nous sommes très limités. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas non plus se désespérer, c'est-à-dire que ça n'est pas parce que nous ne voulons pas, c'est pour le moment parce que nous ne pouvons pas. Mais ça ne veut pas dire non plus que nous ne pourrons jamais. Après, il faut essayer de s'en donner les moyens, petit à petit. Bon, la route est longue, mais qu'elle est belle. Il est déjà 9:50, peut-être s'il y a encore une question ou deux, puis sinon on va pouvoir conclure avant qu'il ne pleuve. Parce que après, oui, monsieur, avec plaisir. Donc, je voulais savoir comment le bouddhisme explique que le karma et donc les réincarnations qui amènent à l'amélioration de l'être amènent dans le temps des sociétés de plus en plus conflictuelles et je dirais au contraire même de l'amélioration qu'on s'y attend. C'est-à-dire que selon le bouddhisme, c'est pas parce qu'il y a du karma qu'il y a forcément de l'amélioration. Non mais vraiment, hein. Et qui dit également vie successive, ça ne veut pas dire qu'on aille vers quelque chose de mieux, ça dépend de ce qu'on fait maintenant. Donc parfois on peut avancer, mais très souvent on régresse aussi. Donc c'est pas on part de bas pour aller vers le haut, ça serait plutôt de ce genre-là, selon le bouddhisme. Hein.
Si vous regardez le constat, oui. Je dirais un état de choses a pour but d'amener à un autre état de choses. Si je regarde le constat de notre humanité qui avance dans le temps et devient de plus en plus péjorative. Oui. Donc, est-ce qu'un état de l'homme est forcément le bon état puisque le constat, lui, est négatif ? Ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend vraiment ce qu'on en fait. Et actuellement, alors après, il y a des... Certains individus vont sûrement en faire quelque chose de bien, et la majorité, non, parce que c'est des questions de proportion après. Et disons que habituellement, il peut y avoir une évolution à un niveau individuel, cet individu pouvant quand même ensuite avoir des répercussions positives, mais au niveau du groupe, on voit bien ce que ça donne. Donc c'est vrai que l'évolution ne va pas être envisagée sur un plan global, et ça, on va pas dire que on va jamais dire dans le bouddhisme que l'humanité évolue au sens de progrès. C'est pas vrai. Et je dirais que on ira même jusqu'à constater que de nos jours, le problème, ce qui est disons que les êtres humains sont aujourd'hui confrontés à quelque chose qui est à la fois passionnant, mais très dangereux. C'est-à-dire que vu les progrès, ou les, disons, vu les inventions, vu les découvertes scientifiques et les applications technologiques, on pourrait dire maintenant ça passe ou ça casse. Donc je vais pas faire un plagiat de Malraux, pas le moment, mais c'est vrai que nous sommes maintenant comme des enfants, des bambins, avec des outils très performants entre les mains. Alors soit nous apprenons à utiliser nos joujoux et nous pouvons faire quelque chose de bien, soit nous continuons à jouer sans rien comprendre et ça va faire boum. Non, mais c'est vrai qu'on est un tournant peut-être de l'humanité, parce, ou de la planète plutôt que de l'humanité d'ailleurs, parce qu'à la limite l'humanité, mais de la planète, parce que vu nos moyens techniques, nous pouvons joyeusement tout saccager. On se gêne pas tellement d'ailleurs pour ça, hein. On a déjà bien commencé. Donc c'est vrai qu'il y a... la question se pose. Et vous avez raison de la poser. Nous aurions tous intérêt à nous la poser. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, avant que ça n'explose, je vais peut-être vous souhaiter bon appétit. Mais malgré tout, comme je vous disais tout à l'heure, toujours selon le bouddhisme, il y a deux moments importants, le début et la fin. C'est-à-dire, on commencerait par une bonne motivation au sens de essayer de se mettre quand même dans un état d'esprit favorable. Et puis à la fin, on se dit, bon, on a fait quelque chose dont on espère que ça pouvait être bien, etc. Et ça serait d'orienter ce qu'on a fait vers l'accomplissement de quelque chose qui nous semblerait favorable. Alors, je vous propose qu'on prenne 2-3 secondes pour dédier l'ensemble de nos cogitations et autres efforts de la matinée pour que tous les êtres puissent au plus vite développer de l'amour et du discernement. Beaucoup de discernement. Merci à vous. Merci. Tout plein de bonnes choses. Merci.